la respiration dans différents milieux. Atenafos, Phibei, Aten, Introduction. On a vu dans le cours précédent que tous les êtres vivants respirent. Et tu as vu en primaire que l'homme absorbe le dioxygène O2 et rejette le dioxyde de carbone CO2. <t in> <t in> <t in> تتنفس ورأيت في المدرسة الابتدائية أن الإنسان يمتص الأكسجين O2 ويطلق ثاني أكسيد الكربون CO2 Question. Comment mettre en évidence la respiration chez les êtres vivants. Soual, Keifa Yadharu, Filka, Inati, Alhaya. Mise en évidence de la respiration chez quelques êtres vivants. دليل على التنفس في بعض الكائنات الحيه Activité 1 mise en évidence de la respiration chez l'homme النشاط الاول اظهار التنفس عند البشر L'homme respire par les mouvements d'inspiration et d'expiration. Pour mesurer la quantité des échanges gazeux respiratoires, on utilise l'appareil expérimental. يتنفس الرجل من خلال حركات الشهيق والزفير لقياس كميه تبادل الغازات التنفسيه يتم استخدام الجهاز التجريبي

d'oxygène que l'air expiré. Aucun changement n'a été constaté pour la quantité de l'azote dans l'air inspiré et l'air expiré. L'air inspiré est plus pauvre en dioxyde de carbone que l'air expiré. L'air expiré est plus riche en vapeur d'eau que l'air inspiré. Al-Hawa al-Mulham bil oxygen min الزفير لم يلاحظ أي تغيير في كمية النيتروجين في الهواء الملهم والمنتهي الصلاحية الهواء الملهم يكون أكثر فقرا في ثاني أكسيد الكربون من هواء الزفير. هواء الزفير أغنى في بخار الماء من الهواء المستنشق. اشرح التغييرات التي لوحظت. L'organisme absorbe du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone. Wayot le carbone. L'air expiré est plus humide que l'air, inspiré. « l'air zafiri plus Rotobatan min al al-mulham. » Conclusion L'homme respire dans l'air. Il prend de l'eau de et rejette du CO2 dans son milieu de vie. Est-ce qu'on tire que O2 et y déploie ثاني أكسيد الكربون في بيئته Al Activité 2 Mise en évidence de la respiration chez les animaux terrestres النشاط الثاني عرض التنفس في

An tariki emptisasi O2 ou tani accède al carbone fi bayatiha al marisha. Activité numéro 3 mise en évidence de la respiration chez les plantes terrestres. Un nâchât Ardu attenfus fin al ardia. Activité numéro 4. Mise en évidence de la respiration chez les êtres vivants aquatiques. Idharu at filka inati al al Les animaux aquatiques respirent dans l'eau et cela en absorbant l'eau de dissous dans l'eau et en y rejetant du co الحيوانات المائية تتنفس في الماء وذلك بامتصاص أود 2 المذاب في الماء وعن طريق انبعاث ثاني أكسيد الكربون Où se font les échanges gazeux chez l'homme Aïna, يتم تبادل الغازات عند البشر. Activité numéro 1 L'appareil respiratoire de l'homme. النشاط الاول الجهاز التنفسي. Le poumon est l'organe responsable de la respiration chez l'homme. On dit que l'homme a une respiration pulmonaire. L'air inspiré passe de la trachée Artère vers les deux branches, puis les branchioles, et enfin il arrive aux alvéoles. Sac aérien est formé de plusieurs alvéoles. Fosse nasale, trachée. branche bronchioles alvéole pulmonaire الرئه هي العضو المسؤول عن التنفس عند الانسان يقال ان الانسان يعاني من التنفس الرئوي يمر الهواء الملهم من شريان القصبه الهوائيه الى الفرعين ثم الى القصيبات واخيرا الى الحويصلات كيس الهواء يتكون من عده حويصلات تجويف الأنف، القصبة الهوائية، القصبات الهوائية، الحويصلات الرئوية، لير expiré passe, ألفيول pulmonaire, برانشيول branche, برانش trachée فوس نزل يمر الهواء الزفير الحويصله الرئويه والقصبات الهوائيه والقصب الهوائيه والتجويف الانفي remarque les poumons sont très vascularisés Moulehada Arri Aten Chadidat l'Awaiya Activité numéro deux Où se font les échanges gaz? Nachat Atene Aina Yatimo al Alrazat Conclusion L'homme a une respiration pulmonaire. Les poumons sont des organes richement irrigués par le sang. Le dioxygène passe de l'air inspiré au sang en traversant la paroi des alvéoles. Le dioxyde de carbone passe du sang vers l'air alvéolaire, l'air expiré. Ces échanges gazeux sont favorisés par la finesse de la paroi qui sépare le sang et les alvéoles.

يمر الديوكسجين من الهواء الملهم الى الدم عن طريق مروره عبر جدار الحويصلات الهوائيه ثاني اكسيد الكربون يمر من الدم comment les êtres vivants Dans un, Dans un milieu aérien. Qu'est-ce que tu as Fi pour atti des Activité numéro 1 La respiration chez l'escargot. Dans le bourrelet charnu qui borde la coquille se trouve un orifice qui s'ouvre et se referme à un rythme lent et irrégulier. C'est le في الخرزة اللحمية التي تحد القشرة توجد فتحة تفتح وتنغلق بمعدل بطيء وغير منتظم هذا هو الورم الرئوي Activité numéro 2. La respiration chez le cricket. L'abdomen du cricket possède de petits orifices. Les stigmates que l'on peut

conclusion. chez le cricket, l'air entre par des stigmates. à travers les trachées ramifiées, il circule dans tout le corps. les trachées sont des organes respiratoires du cricket qui permettent les échanges gazeux, c'est la respiration trachéenne. استنشاج في يدخل الهواء من خلال الوصمات من خلال القصبة ويدور في جميع انحاء الجسم القصبه الهوائيه هي الاعضاء التنفسيه للجراد التي تسمح بتبادل الغازات هذا هو تنفس القصبه الهوائيه Activité numéro 3. La respiration chez les végétaux. Les végétaux respirent mais ils ne possèdent pas d'organes respiratoires. Les échanges

الفتحات الصغيره الثغور على الجانب السفلي من الاوراق Comment les êtres vivants respirent dans un milieu aquatique. كيف تتنفس الكائنات الحيه Conclusion. Certains animaux vivant dans l'eau respirent grâce à des branchies. L'eau circule entre les branchies qui captent le dioxygène, dissous et libère de dioxyde de carbone. Ces échanges sont facilités par les nombreux filaments branchiaux. السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله